Oui, aujourd'hui j'ai planifié une activité très amusante. Le monde du tambour, s'il te plaît, on va peindre des squishies. Alors, première étape, choisis ton squishy. Mais il y a des critères de suivre. Ce squishy doit être spongieux, avec une sphère très satisfaisante. La conception doit être intéressante et originale. Cette squishy est adorable, mais c'est un peu dur. C'est une air bon, mais c'est un peu mince. Et Saturn, c'est parfait, parce qu'il prend au moins 3 secondes pour revenir. Alors, si tu n'es pas sûr si ton squishy est original, je vais t'aider. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ennuyé. 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 C'est d'accord. Ennuyé. Intéressant. Alors, je vais choisir cette balle parce que moi je me suis un peu vain pour le trac aujourd'hui. Quand vous choisissez ton peinture, ma conseille est de choisir les couleurs qui vous font content. Pour moi, ils sont toutes ces couleurs. Maintenant, on va commencer de peindre la squishy. Yeah! Mon avis à toi est de couvrir le tableau que tu utilises. On va peindre une moitié du squishy, puis attendre jusqu'à ce qu'il soit séché pour recommencer l'autre moitié. J'ai peindre une moitié de la squishy. Maintenant, je vais laisser sécher. Et quand il y a temps pour ton squishy de sécher, c'est le parfait temps de manger un bonbon d'Halloween. Subscribe, poussez sur le pouce en haut, tournez les notifications alors tu es là quand je poste une autre vidéo. Alors, moitié du squishy est déjà séché et tu peux recommencer à peindre l'autre côté. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur tu veux. Moi, je vais utiliser l'arc-en-ciel parce que moi, j'essayais de peindre des Fruit Loops. Alors, le bord de Fruit Loops est fini, ça tourne fantastique, j'aime beaucoup toutes les couleurs, je vais définitivement mettre dans ma collection. Bon appétit!